Je suis Martine Leclerc de l'Université du Québec en Outaouais et les communautés d'apprentissage professionnel, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Alors, je suis vraiment contente de vous accueillir à ce webinaire portant sur les communautés d'apprentissage professionnel. Alors, on va poursuivre avec le PowerPoint. Alors, on vient simplement de se présenter. Maintenant, on va vous parler du déroulement du webinaire et Étienne l'a fait. Maintenant, on n'aura pas le temps de parler des échanges des participants, mais j'aimerais que vous puissiez réfléchir au cours de ce webinaire-là à ce qui se passe dans votre milieu par rapport aux communautés d'apprentissage professionnel. On sait que c'est un sujet de l'heure. C'est quelque chose que l'on entend parler et puis de plus en plus, à chaque fois que les gens vont se rencontrer, on va dire « on vient de faire une CAP ». Alors, c'est pas tout à fait ça une CAP. C'est pas en mettant un groupe d'enseignants qui sont habitués de travailler de façon isolée qu'on va avoir une communauté d'apprentissage professionnel. Alors, on va en parler un petit peu, on va faire des petites distinctions au niveau terminologique et ensuite, on va brièvement parler des faits saillants du numéro thématique. En passant, je souligne la présence probable de Madame Claire Isabelle de l'Université d'Ottawa qui a aussi participé au numéro thématique. Je crois qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont participé au numéro thématique. Je vois le nom d'Angela Aucoin, entre autres. Alors, il y en a peut-être d'autres aussi. Alors, je suis bien contente que vous soyez là. On va ensuite parler de certains éléments qui ressortent des recherches sur les CAP et ainsi que des pôles et les indicateurs qui nous permettent de voir de quelle façon notre milieu évolue par rapport aux communautés d'apprentissage professionnel. Alors, donc, si on était en direct, c'est ce qu'on vous demanderait. Quelles sont vos expériences et comment ça se passe dans votre milieu? Maintenant, on est en webinaire, donc on ne pourra pas passer à ces questions-là. Toutefois, on va faire tout de suite une petite distinction entre communauté d'apprentissage professionnel et communauté de pratique, ainsi que communauté d'apprentissage, tout simplement. Si on regarde l'aspect terminologique de ces expressions-là, on peut dire qu'une communauté de pratique, ce sont des gens qui ont vraiment quelque chose en commun, ils ont un but en commun. Comme par exemple, les dentistes vont former une communauté de pratique. Ils vont vouloir partager leurs connaissances. Il va avoir un engagement mutuel aussi du groupe envers l'idée que la pratique évolue. Si on va parler d'une communauté de pratique, ça va être une pratique d'avocat, une pratique de médecin, etc. Une communauté d'apprentissage, il doit y avoir d'abord un projet d'apprentissage conjoint. On veut finalement on veut apprendre quelque chose et on veut le faire en groupe. Alors, c'est vraiment la satisfaction de trois besoins. Des besoins cognitifs, donc l'apprentissage affectif, c'est-à-dire qu'on se soutient mutuellement, et idéologique, c'est-à-dire qu'on a des valeurs que l'on partage par rapport à certains éléments. Quand on parle de communauté d'apprentissage professionnel, le mot apprentissage est extrêmement important parce que c'est lui qui nous centre sur l'apprentissage non seulement des enseignants, mais l'apprentissage des élèves. Donc, les élèves, on veut qu'ils puissent réussir davantage, on veut qu'ils puissent évoluer dans leurs apprentissages. Et c'est structuré. Ce ne sont pas des rencontres de corridor où on parle des élèves et se mise beaucoup sur la collaboration et aussi, au-delà du soutien qu'on se donne, c'est la réussite des élèves que l'on veut, qu'on l'on vise. Alors, donc, on va voir un petit peu plus loin quelques indicateurs par rapport est-ce que c'est une communauté d'apprentissage professionnel? Alors, si on regarde dans le numéro thématique, et je ne passerai pas en revue tous les articles qu'on a dans le numéro thématique, toutefois, on a mis un lien pour que vous puissiez aller voir vous-même les différents aspects que l'on traite de la communauté d'apprentissage professionnel, que ce soit au niveau du rôle de la direction,
que ce soit au niveau du changement de pratique chez les enseignants ou bien donc que ce soit le besoin d'accompagnement, alors vous pourrez aller voir ça. Les recherches se sont pratiquement faites uniquement en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick. Toutefois, on sait qu'ailleurs dans le monde, on travaille sur les communautés d'apprentissage professionnel et ainsi que dans les autres provinces. Alors, on voit aussi des éléments qui ressortent, c'est au niveau du sentiment d'auto-efficacité, on voit qu'il y a un accroissement aussi des connaissances et il y a un partage de compétences qui se fait, ce qui ressort des recherches comme telles. Et c'est un mode de fonctionnement qui est très particulier. Alors, ce qui ressort également, c'est que pour pouvoir avoir des communautés d'apprentissage professionnel, pour que l'on puisse vraiment avoir une communauté d'apprentissage professionnel qui est de haut niveau dans notre école, ça prend un accompagnement. Et c'est une démarche qui se bâtit avec le temps. Toutefois, même si, il y a beaucoup de défis, il y a aussi beaucoup de retombées que l'on voit tant chez les enseignants que chez les élèves. Entre autres, on voit une amélioration des apprentissages non seulement chez les enseignants, mais surtout chez les élèves. On voit une motivation, on voit le développement d'une collaboration ainsi que du mentorat qui est instauré dans les différentes écoles qui ont implanté ce mode de fonctionnement-là. Ce qu'on retrouve quand on regarde le fonctionnement en communauté d'apprentissage professionnel, c'est qu'il y a trois éléments à tenir compte. Il faut être en mesure d'avoir finalement des équipes de collaboration qui centrent leurs discussions sur les besoins des élèves. Il faut y avoir aussi une collecte de données pour voir si nos interventions ont porté fruit, si finalement on a des preuves que les élèves progressent dans leurs apprentissages. Et tout ça fait en sorte qu'on doit aussi chercher les stratégies à haut rendement. Donc, on ne doit pas simplement en arriver à des constats, mais aussi se dire, alors, voici, on a ceci comme profil de groupe d'élèves ou d'école. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Quelles sont les stratégies à haut rendement que l'on peut mettre en place dans notre enseignement pour que finalement tous les élèves progressent? Non pas seulement ceux qui sont sur le point d'atteindre la norme, mais tous les élèves doivent progresser. Et tout ça nous demande d'être en mesure de faire des analyses très fines par rapport aux données et avoir des outils pour le faire. Pour travailler sur ces trois pôles-là, il y a des questions fondamentales que l'on doit se poser. D'abord, au niveau des équipes de collaboration, de qui vont être composées ces équipes-là? Est-ce que ça va être des enseignants qui vont travailler dans le même cycle? Est-ce que ça va être des enseignants avec des cycles différents? Est-ce que ça va être seulement un niveau d'études, etc.? Quel sera le rôle de chacun? Quand est-ce qu'elles vont avoir lieu? À quelle fréquence? Comment on va faire le suivi aux rencontres comme telles? Comment on va tracer un fil conducteur? Au niveau de la collecte de données, quels sont les outils dont on a besoin? À quelle fréquence on va faire cette collecte de données-là? Est-ce qu'on arrive à une compréhension commune des résultats? Est-ce qu'on a harmonisé nos méthodes de collecte de données? Et il y aurait bien d'autres questions à se poser. Au niveau des stratégies d'enseignement efficaces, même si on a des données, il ne faut pas en rester là, même si on en a discuté, il faut vraiment passer à l'action. Il faut être capable de voir quelles sont les stratégies à haut rendement qui pourraient faire avancer nos élèves. Quelle est l'expertise dont on a besoin pour mettre en place ces stratégies à haut rendement-là? Est-ce qu'on a ici, à l'intérieur de l'équipe, l'expertise pour pouvoir solutionner cette difficulté-là? Sinon, à quel endroit on va trouver cette expertise-là? Comment on va procéder au changement de pratique dans nos salles de classe? Est-ce qu'on a besoin de soutien? À quel endroit on va l'avoir, ce soutien-là? Donc, c'est les questions qu'on doit se poser et il y en aurait bien d'autres aussi. Au fil du temps, on a pu travailler avec de nombreuses équipes écoles. En fait, 19 équipes écoles. Il y a eu plus de 250 enseignants et puis plus de 25 directions d'école qui nous ont permis de vraiment déterminer comment progressent des communautés d'apprentissage professionnel. Et on en est venu à trouver qu'il y avait sept indicateurs de progression qui réfèrent chacun
à une dimension comme telle, que l'on va expliquer plus tard. Alors, les sept indicateurs qui nous permettent de voir si notre école progresse comme communauté d'apprentissage professionnel, c'est la vision de l'école. OK, on va voir quelles questions on peut se poser par rapport à ça. Les conditions physiques et humaines qui sont mises en place, la culture de collaboration que l'on a, de quelle façon se manifeste le leadership, la diffusion de l'expertise et l'apprentissage collectif, est-ce qu'il y en a, de quelle façon ça se fait, les thèmes abordés lors des rencontres collaboratives, ainsi que les prises de décision et l'utilisation des données dans ces prises de décision-là. Au fil du temps, alors ça fait plus de 8 ans que je travaille sur les communautés d'apprentissage professionnel, j'en suis venue à dire qu'il y avait 3 stades. Le stade d'initiation, où est-ce qu'il y a quelques éléments seulement qui, parmi les indicateurs dont on a parlé, qui sont en place. Le stade d'implantation, où est-ce qu'il y en a un petit peu plus. Et le stade d'intégration, où l'école est pratiquement un modèle pour les autres. Et on va voir à quoi ça ressemble quand je vais vous parler de chacune, de chaque dimension. Alors, la dimension idéologique dont je vous ai parlé il y a quelques instants, ça concerne la vision, les valeurs, les domaines prioritaires. Est-ce qu'on a établi un domaine prioritaire? Est-ce que notre vision, elle est claire pour tous? Est-ce qu'on peut la voir dans la pratique? Et de quelle façon elle a été élaborée? Est-ce que c'est partagé avec les gens du milieu? Cette vision-là devrait mobiliser le personnel. Alors, autour des priorités qui sont clairement ciblées. Par exemple, dans les écoles avec lesquelles on a travaillé, c'était principalement la littératie qui était ciblée parce que c'est l'apprentissage essentiel par excellence. Et quand finalement cette vision-là, les valeurs et le domaine prioritaire sont bien ciblés, on devrait voir des documents officiels qui les mentionnent. Ici au Québec, ça va être la convention de gestion, le plan de réussite. Ailleurs, ça va s'appeler autrement, mais c'est semblable à ça. Alors, donc, pour ce qui est de la dimension idéologique, c'est vraiment ces éléments-là et ces questions-là que l'on doit se poser. Quand on parle des conditions physiques et humaines, on fait appel à la dimension structurelle. Ça nous dit finalement que pour mettre en place des communautés d'apprentissage professionnel, il faut revoir la structure de l'école, de notre milieu. Il va y avoir des choses à revoir telles que l'horaire, par exemple. Si on a mis vraiment comme domaine prioritaire que c'est la littératie, on devrait en principe voir dans la pratique qu'il y a des éléments qui s'y trouvent. On devrait retrouver le soutien matériel à cet égard pour, par exemple, avoir des outils de régulation des apprentissages, avoir du matériel pédagogique pour les stratégies à haut rendement que l'on a identifiées. Il faut mettre en place aussi des ressources humaines, comme par exemple le soutien de la conseillère pédagogique, qui ne vient pas comme dans les écoles traditionnelles offrir de la formation comme telle, mais plutôt qui est la personne experte qui va probablement aller chercher les stratégies à haut rendement dont on a besoin pour répondre à des besoins très ciblés chez les élèves. Alors, donc, il va y avoir donc des ressources humaines aussi. Dont on doit tenir compte. Il faut aussi mettre en place une structure efficace lors des rencontres. Les enseignants ne sont pas, par tradition, habitués nécessairement à avoir une structure qui est efficace et être de bons animateurs, etc. Donc, il faut vraiment, former notre équipe à cela et, être en mesure d'avoir des comptes rendus pour garder des traces d'une rencontre à l'autre, et puis d'assurer le suivi. Ça veut dire, par exemple, pour la direction d'école, d'assurer les ressources financières dont on a besoin, comme par exemple de la suppléance pour des grandes rencontres pendant l'horaire de travail. Parce qu'un des facteurs les plus importants pour mettre en place des communautés d'apprentissage professionnel, c'est lorsque les gens ont du temps de qualité. La troisième dimension, c'est la dimension affective. C'est toute la culture de collaboration. Pourquoi ça s'appelle dimension affective? C'est parce que les enseignants s'entraident, se soutiennent. Donc, ça fait appel à la dimension affective. Et c'est là que l'on dit que l'on doit briser le travail en silo. On amène des moments d'échange et de partage entre collègues, mais ce sont des moments formels, pas sur le coin d'un cadre de porte ou dans les corridors ou lors de la récréation, mais il y a des moments formels pour le faire. Ça fait appel aussi à l'engagement de tous les intervenants pour être capable de travailler dans le même sens et en visant le même but.
Ça fait aussi appel à la volonté de partager ses préoccupations et à la modestie que l'on doit faire, que l'on doit montrer, parce que finalement, on est en train de montrer que on a de la difficulté à surmonter certains défis chez des élèves. Alors, ça amène ce partage-là pour être en mesure de s'entraider, pour pouvoir profiter de l'expertise de tous. Alors, on est obligé aussi d'en arriver à des harmonisations de pratique parce que on veut vraiment que le temps d'enseignement et que finalement le temps passé à l'école pour les élèves, ça soit du temps rentable. Alors, donc, on va être obligé d'avoir un vocabulaire qui est partagé et s'obliger aussi à comprendre les processus. Donc, entre autres, voir les apprentissages essentiels. On sait que, par exemple, les enseignants ont le défi de vouloir faire apprendre leurs élèves, mais que finalement, en se basant sur un programme qui est fait pour tout le monde et avec le même temps pour tous, ça ne fonctionne pas. Alors que les enseignants doivent épurer ce programme-là et voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Et ça demande finalement une discussion vraiment courageuse, honnête et finalement en collaboration avec les collègues. Mais tout ça amène finalement un soutien qui est incroyable et qui permet d'avoir des retombées chez nos élèves. Cette collaboration-là, elle n'est pas nécessairement juste au niveau d'un cycle, mais elle va aussi plus loin entre les cycles, entre la conseillère pédagogique et d'autres enseignants, mais aussi entre les enseignants qui influencent aussi la conseillère pédagogique ou l'orthopédagogue. Donc, finalement, ce travail-là se fait pas seulement dans un sens, mais vraiment dans plusieurs sens. Alors, la dimension organisationnelle, c'est ce qui a rapport au leadership comme tel dans une école. Alors, c'est jusqu'à quel point les décisions qui sont prises sont partagées et comment on s'assure que le leadership des enseignants puisse être mis à contribution. Par exemple, par des structures comme le comité orientant, où est-ce qu'il y a des représentants des différentes équipes collaboratives et l'enseignant leader, l'enseignant accompagnateur. Donc, il y a des mécanismes qui permettent finalement d'avoir la distribution du leadership comme tel. Dans cette dimension-là, on traite aussi de l'expertise des enseignants pour influencer la direction d'école. Donc, la direction d'école n'est pas experte par définition, ce n'est pas elle qui est la personne la plus experte dans l'école, ce sont les enseignants quand on parle du point de vue pédagogique. Alors, c'est normal que les enseignants influencent la direction d'école. Et ce leadership pédagogique-là, de la direction doit être vraiment ressenti positivement dans la pratique. Alors, donc, il y a finalement des interactions où est-ce que les enseignants sont vraiment impliqués, donc à tous les niveaux dans les prises de décision. La dimension cognitive, ça fait appel à la diffusion de l'expertise, dans le sens que il va y avoir des experts qui vont naître parce que les gens vont aller chercher des stratégies à haut rendement. Mais cette expertise-là ne reste pas au niveau d'un individu, mais il va plutôt être diffusé à travers le milieu scolaire. C'est-à-dire qu'un enseignant va, par exemple, inviter un autre enseignant à voir une stratégie à haut rendement qu'elle est capable d'appliquer dans sa salle de classe, puis après, ils vont pouvoir en discuter. Ça peut être quelqu'un qui va observer quelqu'un et lui donne une rétroaction après. Ça peut être quelqu'un lors d'une rencontre qui modélise une stratégie au rendement. Alors, ça peut être différentes choses comme ça, mais il reste que la diffusion de l'expertise se fait au sein de l'école par différents processus, mais entre autres par des stratégies qui sont engageantes pour les enseignants. C'est très, très différent que de juste regarder quelqu'un. C'est vraiment être capable de s'impliquer davantage. Une autre dimension, la sixième dimension, c'est la dimension pédagogique. C'est celle qui est vraiment axée sur l'apprentissage des élèves. Ici, on utilise une posture d'équipe de recherche. On est ensemble à vouloir solutionner des problèmes liés à l'apprentissage des élèves. Et la septième dimension, c'est la dimension réflexive. Donc, on doit prendre des décisions qui sont basées sur des preuves. Ça nous oblige à avoir des données.
Alors là, par exemple, on va regarder de façon très spécifique qu'est-ce qui est maîtrisé par l'ensemble des élèves qu'on n'a pas à enseigner, des stratégies que l'ensemble des élèves ne maîtrise pas. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on les enseigne celles-là. On les a oubliées, à quelque part, ça n'a pas fonctionné et on sait que c'est une stratégie importante. On regarde les données pour voir si chaque élève est dans sa zone proximale de développement parce qu'on sait que si l'élève n'est pas dans sa zone proximale de développement, il n'y aura pas d'apprentissage. Alors, on regarde aussi comment on peut regrouper les élèves compte tenu des profils qui sont là. Et les questions qui sont cruciales, c'est est-ce que tous nos élèves progressent? Si oui, comment on sait? Comment on le sait? Comment on peut affirmer que nos élèves progressent? Je sais que dans cette courte période de temps-là, je n'ai pas pu vous donner beaucoup de détails sur ce que c'est les communautés d'apprentissage professionnel, mais je vous invite à regarder trois ressources en fait. Il y a d'abord ce livre-ci qui a été publié l'an passé, Communauté d'apprentissage professionnel, guide à l'intention des leaders scolaires, où chaque école peut se situer selon des grilles. Il y a des exercices aussi à faire pour chacune des dimensions dont je viens de vous parler. Alors, et aussi des questions fréquentes. Vous avez certainement des questions que vous avez. Il y en a déjà plusieurs qui sont écrites dans le livre et qui sont aussi répondues. La deuxième référence, qui va sortir dans quelques jours aux presses de l'Université du Québec, c'est Données d'observation et gestion de l'apprentissage. Le moteur de la communauté d'apprentissage professionnel, c'est les données d'observation. Alors, si vous voulez savoir comment on les utilise, comment on fait un profil d'élèves, de classe, d'école, quelles sont les questions qu'on doit se poser, c'est un livre que vous devriez vous procurer. Alors, naturellement, le but de ce webinaire était de vous présenter le numéro thématique. Alors, je vous invite à aller à l'adresse qui est indiquée sur ce PowerPoint-là pour lire finalement les nombreux articles qui seront, j'en suis convaincue, en tout cas, vous ressourcer, vous allumer, tout ça. Il y aurait certainement plusieurs autres choses qu'on pourrait dire, mais je cède la parole finalement à l'auditoire pour les questions, pour prendre les questions. Excusez. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Si vous voulez juste les écrire au clavardage, j'imagine, sinon je ne pourrais pas les prendre, à moins que Étienne, tu les prennes. Oui, bonjour Martine. Ce qu'on va faire, c'est que s'il y a des gens qui ont des questions, on va les intercepter sur le clavardage puis les mettre sur le tableau blanc qu'on voit comme présentation ici. Donc, on voit. OK, on a déjà deux questions. On a peu parlé de l'implantation. J'imagine qu'on veut dire comment on procède pour implanter une communauté d'apprentissage professionnel. Alors, si c'est cette question-là, je dois vous dire qu'il y a des prérequis que vous devez mettre en place. Une culture de collaboration, ça ne se fait pas comme ça. D'abord, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision commune, donc développer une vision commune. Si on ne sait pas comment, il y a des exercices dans le livre comme tel, mais ça, c'est important de définir nos valeurs. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'ira pas dans tous les sens parce qu'on va avoir une priorité comme telle et puis ça va orienter les discussions et le travail en communauté d'apprentissage professionnel. Alors, donc, il y a toute la culture de collaboration qui est importante. Au niveau de l'implantation, il va aussi falloir qu'on donne du temps aux enseignants pour se parler. Il va falloir mettre en place des structures, etc. C'est sûr que j'en parle pas beaucoup, mais il y a des prérequis avant de dire qu'on fait une communauté d'apprentissage professionnel. Qu'est-ce qui différencie la CAP d'une recherche action?
Une recherche action se rapproche énormément du travail en communauté d'apprentissage professionnel pour la simple et unique raison que lorsque l'on est en équipe de collaboration, on est en train finalement d'avoir un processus de recherche en train de se questionner. Alors, ce qui différencie, c'est que la CAP, c'est vraiment dans la pratique, c'est vraiment un milieu scolaire et ça n'aboutit pas nécessairement à une recherche comme telle. Mais si on peut dire, le fonctionnement s'y rapproche beaucoup. Quand est-ce qu'une école peut dire qu'il y a une culture de collaboration? Combien de temps ça prend? Alors, une culture de collaboration, vous avez plusieurs indicateurs. Par exemple, si vous allez dans une école et vous parlez que c'est important de partager les choses, dans une école, on a vu quelqu'un qui nous a dit, ben, si tu penses que moi, je vais partager toutes ces choses-là, ça m'a pris du temps à faire ça, puis lui, il me donne jamais rien, je pense qu'on n'est pas dans une culture de collaboration. Donc, il y a déjà des choses qui sont là. Des fois, ce sont pas des choses qui sont dites, mais c'est des choses que l'on peut ressentir. Par exemple, dans une école, il y a quelqu'un qui passe comme 3 semaines à préparer les horaires. Quand on parle qu'il faudrait qu'il y ait vraiment du temps de préparation ensemble pour les enseignantes du même niveau, parce que sinon, ils n'auront pas de temps suffisant pour se rencontrer. Bien, on voit que c'est vraiment le domaine personnel d'une personne qu'on est en train de toucher parce que c'est elle qui fait ça depuis des années, des horaires. Donc, on voit que même si, en apparence, il peut y avoir une culture de collaboration, il y a des petites choses encore qui nous restent à travailler. Toutefois, quand ces valeurs-là sont très clairement identifiées dans une école, on y revient et nos décisions sont très faciles à prendre et très faciles aussi à convaincre les gens. Combien de temps ça prend? Ça dépend de votre capacité à mobiliser les gens, à les engager. Mais une chose est certaine, c'est que les enseignants, vous allez les prendre par quelque chose qui les touche. Une direction générale m'a déjà dit, moi, je voudrais mettre en place des caps pour augmenter le rendement. Quand vous parlez comme ça, vous parlez comme un fonctionnaire ou comme un gestionnaire. Des enseignants, ce qu'ils veulent, c'est améliorer l'apprentissage chez leurs élèves. Quand ils voient que tangiblement qu'il y a des élèves qui ne progressaient pas, mais là maintenant, enfin, ils sont en train d'évoluer, ça les allume. Alors, donc, allez chercher des exemples concrets. Je pourrais vous en dire beaucoup, là, mais il reste qu'il faut développer cette culture de collaboration-là et amener les gens à vouloir travailler dans le même sens parce que les gens, ils vont être tellement contents de voir des résultats. Je vous cite quelque chose. Tiens, une petite anecdote. Quelqu'un qui m'a écrit ceci, avec le temps investi, nous comprenons maintenant mieux l'ampleur du mot CAP, mais également les retombées importantes qui en découlent. Nous savons maintenant qu'il s'agissait d'un changement de paradigme, donc d'un changement difficile à faire. Une fois celui-ci en cours, le retour en arrière pour nous ainsi que nos équipes est quasiment impensable. Ça, je l'ai reçu la semaine dernière. Pour vous donner une idée que quand c'est amorcé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Oui, la CAP peut être un besoin émergent, surtout dans le contexte actuel où est-ce qu'on voit le taux de décrochage alarmant et le nombre d'élèves qui ne réussissent pas à lire dans le laps de temps qu'ils devraient, le cadre, là, tu sais, qu'ils devraient vraiment être capables de lire. Oui, c'est un besoin qui est très émergent. À quoi ça ressemble? On a vu différentes formules. Par exemple, souvent, au début, il y a tellement de choses à mettre en place. Il faut qu'on regarde tellement de choses comme des fois, ça prend une journée complète, bon, peut-être à tous les 2 mois, là, OK, pour être capable de faire quelque chose. À d'autres moments, on a vu une demi-journée, quand c'est bien rodé, une demi-journée. Et quand c'est vraiment, ça va très bien, eh bien, juste, on va dire, 1 heure et demie, là, c'est facile, mais un petit peu plus souvent. Alors, il y a différents modèles. Dans le livre, j'en parle. Comment implantons-nous les CAP pour nos spécialistes, enseignants d'éducation physique et éducation musicale? Si vous avez des données et que vous traitez d'apprentissage chez les élèves, on peut parler de CAP. Et je sais qu'il y a des enseignants en éducation physique qui se rencontrent régulièrement pour discuter de cela. Mais si on parle uniquement de pratique,
À mon sens, on est plus dans une communauté de pratique. Si on veut évoluer et qu'on veut apprendre de nouvelles façons de faire, on est peut-être plus dans une communauté d'apprentissage. Mais si vous parlez de cap pour vos spécialistes, à mon avis, il faudrait avoir des données puis parler vraiment d'apprentissage de nos élèves. Mais ça se fait, OK? Au Nouveau-Brunswick, le ministère de l'Éducation accompagne les directions d'école pour les aider à devenir plus inclusives. Est-ce une cap? Une cap à grande échelle, peut-être? Il y a des caps au niveau des directions d'école, oui, ça se fait. La seule distinction, c'est qu'il ne faut pas en arriver juste à échanger sur des pratiques. Il ne faut pas en arriver juste à finalement parler de stratégies possibles. Si on est en train de regarder des données et voir si on évolue, moi, je pense qu'on peut utiliser le mot cap. Sinon, on est peut-être plus dans les deux autres formats. Alors, quel est le rôle de la recherche dans une CAP? La recherche vient alimenter les CAP dans le sens que les stratégies à haut rendement doivent être prouvées par la recherche. On ne s'en va pas dans toutes les directions parce qu'on a été à un congrès, puis là, tout d'un coup, on décide d'implanter telle chose, ça avait l'air le fun, l'animatrice était bonne. Alors non, est-ce que c'est une stratégie à haut rendement? Si oui, comment on fait pour le savoir? D'abord, les gens m'ont dit, on ne s'en va pas toutes lire les recherches. Non, non, non. Prenez par exemple en lecture, il y a des auteurs qui ont vulgarisé des recherches, puis qu'on sait les stratégies qui sont en haut rendement. Donc, c'est vers là que vous devez aller en premier. Mais assurez-vous que ce sont des stratégies à haut rendement. Alors, c'est pour ça que la recherche vient alimenter les CAP. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas n'importe quoi, on ne fait pas juste échanger sur nos pratiques, on va vraiment voir si ce sont des stratégies à haut rendement, puis après ça, on l'expérimente et on voit si pour nous, c'est une stratégie qu'on va garder. Est-il pas possible de penser qu'une communauté de pratique ou une communauté d'apprentissage pourrait s'inscrire dans la phase d'initiation? Absolument. Je pense que de toute façon, c'est un terreau très fertile pour une communauté d'apprentissage professionnel. Et puis, souvent, ce qui leur manque, c'est le deuxième pôle qui est le pôle au niveau des données pour devenir une communauté d'apprentissage professionnel. C'est un terreau très, très, très fertile pour devenir une communauté d'apprentissage professionnel et souvent, les gens ont déjà du succès avec la communauté de pratique, la communauté d'apprentissage. Alors, écoutez, merci pour vos questions, pour tout le monde qui a participé. Je ne sais pas si Étienne, je sais que Jean, je pense qu'on va laisser faire. Je pense que, mais je sais que Jean vous aurait chaleureusement remercié et se joint à moi pour finalement vous dire que c'est une expérience qui est unique de participer à un webinaire. Ça prend un peu de courage. En tout cas, moi, Jean, c'était la première fois qu'on participait à ce genre de, en tout cas, de format de diffusion. Et si jamais vous avez besoin de nous contacter, Jean Labelle et moi, on avait mis des liens. J'espère qu'ils sont encore là. Sinon, ben Jean est à l'Université de Moncton. Moi, je suis à l'Université du Québec en Outaouais. Et ça nous ferait plaisir de communiquer avec vous. Il y a déjà aussi, si vous allez sur nos sites respectifs, vous allez voir qu'il y a aussi de nombreux articles qui ont été publiés et qui sont accessibles en ligne. Et je vous encourage encore fortement à aller voir le numéro thématique de la revue Éducation et Francophonie portant sur les communautés d'apprentissage professionnel. Alors, merci pour votre attention. Ce fut un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Oui, beaucoup de contenu, exactement. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour.